Ils sont plus de 2000 militantes et militants venus des 12 départements du Bénin à répondre présents à l'appel du bureau exécutif national du Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. C'est le premier conseil national, un rendez-vous dont l'objectif est de faire le point de la participation de l'UDBN au dialogue politique organisé par le chef de l'État Patrice Talon les 10, 11 et 12 octobre dernier. Restituer les conclusions issues de cette assise à la base et réaffirmer le soutien indéfectible de l'UDBN aux bonnes actions du gouvernement. Selon Maître Dikoui, président de la cellule juridique de ce parti, l'UDBN a fait des propositions concrètes au niveau de tous les points inscrits à l'ordre du jour au cours de ce dialogue politique. Réduction du coût des élections. Nous avions constaté également que les élections coûtent cher au Bénin. Les élections coûtent très cher au Bénin et nous n'avons plus le temps de travailler. Nous avions sur 3 ans des élections, ce qui ne permet plus aux travailleurs, aux citoyens de vaquer à leurs occupations. L'UDBN a proposé un regroupement des élections. L'UDBN est allé jusqu'à dire que des élections regroupées pouvaient se dérouler dès 2020. À ce Conseil national de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, plusieurs partis politiques se sont fait représenter par de fortes délégations. Il s'agit notamment des partis Bloc républicain, Union progressiste, Parti du renouveau démocratique et Moelle Bénin. La grande surprise de cette assise politique est la présence remarquable du président du Parlement panafricain, Roger Nkodobang. Selon lui, sa présence participe en entre autres, de sa volonté de voir les États africains impliquer davantage les femmes et les jeunes compétents dans les processus décisionnels. Au regard de son organisation actuelle, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, dirigée par une grande dame de conviction, d'action, sera l'un des partis leaders à coup sûr. Le dynamisme de sa présidente et son implication dans la politique tant nationale qu'internationale et ses talents de diplomate chevronné font des atouts indéniables pour le Bénin. Le développement du Bénin se fera avec toutes ses filles et ses fils, sans exception et dans leur diversité idéologique. Dans son discours, l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, présidente de l'UDBN, a d'abord salué la forte mobilisation et la présence massive des militantes et militants de l'UDBN avant de revenir sur les avantages de ce dialogue politique initié par le chef de l'État. Le dialogue politique national a permis à notre parti de suggérer une nouvelle méthode d'approche du principe d'égalité positive en faveur des femmes avec 40% de quotas à l'Assemblée nationale et dans les communes, sans oublier les postes de direction et les hautes fonctions de l'État. La méthode de dialogue constructif est le lieu d'affirmation de notre volonté de coopérer dans la paix et l'amitié avec ceux qui partagent les idéaux de liberté, de justice et de solidarité humaine. L'UDBN est convaincu que le dialogue politique ouvre des perspectives heureuses pour l'unité nationale érigée sur la base des principes d'égalité, d'intérêt réciproque et de respect mutuel. À la faveur de son premier Conseil national, le temps est donc venu pour l'UDBN d'exhorter les partis politiques de l'opposition à donner une chance à la paix en évitant le piège de la radicalisation et de l'extrémisme. La République du Bénin a besoin de tous ses enfants et même de toutes les voix discordantes. Notons que ce Conseil national de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau a été riche en couleurs avec des prestations de grandes vedettes de la musique béninoise telles que Anna Teko et Petit Miguelito.